Bonjour les amis, c'est Mitrap Nomad de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur le labyrinthe, donc celui de l'île des Dalles. Donc on est sur la deuxième partie, hein, celui qui a lieu dans les cieux, simplement parce que la première partie suffisait de suivre les fruits d'oiseaux laissés sur le passage, c'est pas très très difficile. Alors on est déjà passé, qu'il y aura certains terminaux que je vais vous montrer qui ont déjà été pris. J'ai mis la tenue de chute libre. Si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à aller voir notre soluce. Un bouclier qui est vraiment top, hein, 57, c'est pas mal. On va faire au mieux pour vous montrer sur la map. Mais après, si vraiment vous êtes perdu, ce qui peut arriver aussi, hein. C'est compliqué, c'est un labyrinthe. N'hésitez pas à mettre des pauses et à reprendre selon le cheminement de la vidéo. Je crois qu'il n'y a rien de plus difficile à montrer en soluce qu'un labyrinthe. Que, comme vous avez pu le voir, hein, il y a en plus de tout. Alors voilà, donc le premier terminal se trouve ici sur la map. Voilà, donc je vous ai fait attention aussi à la gravité. C'est assez parfois assez pénible de repartir. Vraiment, je pense que la tenue lutte libre est une aide précieuse. Sinon, ça fait pas de dégâts. N'hésitez pas comme moi à faire des pauses et à regarder la map du labyrinthe de temps en temps. Pas vérifié, mais il me semble que c'est tout à fait le même que dans Breath of the Wild. Hein. L'objectif n'est pas le même, mais la structure reste la même. Peut-être pas énormément solutionner ce labyrinthe. Et voici le deuxième terminal. Alors, si ça peut vous aider, hein, n'hésitez pas à vous retaper à l'entrée pour repartir correctement.
C'est ce que je faisais également dans Breath of the Wild, ça aide beaucoup. Allez, c'est parti. Donc là, on va sur le troisième. La position sur la map. La map est toujours dans tous les cas à droite. Hein. C'était pas rien. Voilà, voici le troisième. J'avais déjà activé. On part sur le dernier. C'est pour passer de l'autre côté. J'ai besoin de préparer des potions d'endurance. Vous pouvez faire vous mettre au sol pour vous replacer correctement. Et voici donc le quatrième terminé. Porter et on va aller jusqu'à la prophétie de l'île des Dalles.
Toi qui as traversé le labyrinthe céleste. Aucun obstacle ne t'empêchera plus de rejoindre les profondeurs de la Terre depuis le labyrinthe terrestre. Prouve que tu possèdes le courage de plonger sous la surface au plus profond de la Terre. La voie finale t'est ouverte. Je me demande quelle tenue je dois mettre, si je dois mettre un tignasse ou... Alors, vous avez activé le dernier terminal au sommet du labyrinthe flottant dans le ciel au-dessus de la mer d'Akala. La voix vous a dit, prouve que tu possèdes le courage de plonger sous la surface et blabla. Donc, on va sauter, hein. On est dans les miasmes, là, cette histoire. Dû mettre ma tenue Timias. Voilà. Alors donc là on est dans le souterrain de l'île des Dalles. Pareil, si cette tenue vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir notre soluce. C'est l'armure du mineur. Ah, c'est une arme sympa. Une arme rouillée. Ça m'arrange. Un gardien volant, c'est sûr. C'est un Golemax. On va utiliser en prise. On met notre tenue du jeu des mots. Vous avez déjà dû vous battre contre des Golemax ultimes, hein, vous connaissez le principe. Attraper avec emprise leur point faible et aller taper dessus. Alors j'espère vraiment qu'un DLC va arriver avec des épreuves de l'épée pour rendre l'épée de légende plus puissante. Comme dans Breath of the Wild, c'est une plaie, ces armes qui cassent facilement. Ah, désolé pour la vue là, c'est indépendant de ma volonté. Voilà. Donc on va récupérer ce qu'il y a à récupérer. Oh, hein. Égal à lui-même.
avec non non avec l'épée je vais mettre avec l'épée. Une samedite. Me donner ses tacles. Ah, maître des dragons carrément. Mal a été imprégné de l'esprit du mal scellé depuis des temps ancestraux. Elle est à toi. Ah. C'est. Ah, c'est un cadeau. Je m'attendais à un cœur, mais non. Ah, c'est l'armure spectrale, oui, donc c'est très bien. Ce qui veut dire que on va aller la récupérer en faisant les trois sanctuaires. Bon, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce n'est vraiment pas facile de montrer une soluce des sanctuaires, hein, vous en doutez bien. Donc, des labyrinthes. Décidément, donc n'hésitez pas à mettre pause si besoin. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi de mon côté, je vous dis à très très bientôt pour la suite des Solus Labyrinthe. Bye bye les amis.